te importa que te ame? C'est notre camp base, à 4000, je pense, 500, les trois tentes, pour nos 5 quarts. On est arrivé cet après-midi vers 15h. Ils discutent le meilleur chemin pour nous, pour demain. Et ça c'est la montagne contre jour. Voilà, Mr. Patrick. En 4h-5. En 4h-5, camp de base, camp 1 du Pissis. Youhou! Comment ça va, Patrick? Dur. Dur? Oui. On a toute l'après-midi pour se reposer, là. Oui. Ça va être bon. Oh. Quelle vue! Quelle vue, quelle vue! Quel vent aussi. Ojos del Salado, Nacimiento Walter Penck. Hombro del Pisces. Et là-haut, dans deux jours. Voilà ce que c'est Patrick, novice des cimes, qui se retrouve à 5008, un petit peu chargé. Voilà. Toujours entre camp 1 et camp 2, là on est à 5000. C'est il y
inimaginable. Incroyable. Pourquoi ? D'avoir 300 km de visibilité, l'air sec. Puis quand tu commences à regarder les montagnes, tu sais, 6500, 6600, là-bas, le Rioja del Cerro, 6800 et des points. Couleur, finir. La terre à l'œuvre. Et on est quand même tout seul sur le troisième sommet du continent américain. Absolument tout seul. On est au camp 2. On est à 6330 mètres. Sommet. Je pars par là. Derrière. Alors, qu'on vous explique. La tente là qu'on voit, on vient de passer à peu près une heure et demie à l'installer. Il n'y a aucun endroit propice, il y a du vent. Il a fallu faire un muret, enfin, c'est un bordel pas possible. Alors, si on descend un peu plus loin, là c'est Fabrice qui installe sa tente. Fabrice, lui, il a une tente monoparoi, beaucoup plus costaud que la nôtre, qui permet de la monter plus vite. Mais c'est quand même la galère, donc je vais quand même aller l'aider. Allez, ciao. Alors t'es où Fabrice Patrick, pardon. On recommence. Alors, tu es où Patrick? On est dans la tente, camp 2, ouais. Sur Monte Pissis. Alors, c'est 6320 mètres. Donc c'est une personal best pour moi. C'est le plus haut que j'ai jamais dormi, grimpé, randonné. Il faisait beau aujourd'hui, il fait froid maintenant. Il est 18h36, on mange, après ça, on se couche, c'est tout. Et demain, qu'est-ce qui se passe? On se lève vers 9h, ou non, 8h. Peut-être on va partir vers 9h pour le sommet. Voilà. Mais ça va durer peut-être plus ou moins 2h, 2h30, on espère. Ouais, on a un peu plus de 500 mètres à faire, oui. En dénivelé. Voilà, exactement. Donc, oui, et après ça. Home sweet home. Ouais. On espère, on va pousser de sommet de 6800 plus ou moins jusqu'au 4006, le camp de base. 4006. Donc ça peut faire une grande journée demain. Grande journée, voilà. Ouais. Ok. 500 mètres. Monte au sommet. Très lentement, très lentement. On monte au sommet. Le sommet qui est... sommet. Sous le sommet, je dois être à... allez, 25 minutes du sommet. On a une belle vue sur tous les autres sommets. Voilà Patrick. Et là-bas, Fabrice. Voilà, ça y est. J'arrive au sommet du Mont Pissis. Cerro Pissis. Qui est troisième sommet. Continent américain avec 6800 mètres d'altitude.
casser la gueule. Caillou par là. Et ben voilà. Sommet du Pissis. Magnifique. Magnifique. Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh, je suis content. Au sommet du Pissis. Super fort, Patrick. Son premier 6000. Je suis numéro 3 des Andes. Super. Well done! Bravo! Fabrice! T'es trop au sommet, c'est génial! C'est génial, génial! Punches for you tonight.